Une fusée pour la Lune, Lérine Korda. Voici Matteo et ses amis. Et voici leur maison. Dehors, il fait noir. Dans la cuisine, Mila et Fanny préparent des petits gâteaux. Gaspard construit une maison. Matteo, lui, réfléchit. Il aimerait bien aller sur la Lune. Il demande à Gaspard. « Comment fait-on pour aller sur la Lune ?» Matteo saute le plus haut possible, mais il ne réussit pas à s'envoler. Gaspard répond. C'est très loin la Lune, à des millions de kilomètres. Pour y aller, il faut une fusée. Il ouvre un livre et montre une photo à Matteo. Matteo commence à fabriquer une fusée. Gaspard regarde dans le livre. Dans l'espace, il fait toujours nuit. Dans l'espace, il n'y a pas d'air. Il faut un casque spécial pour respirer. Dans l'espace, tout flotte. Il faut des bottes bien lourdes. Et voilà ! S'exclame Matteo. C'est prêt ! Gaspard lève la tête. Waouh ! Quelle belle fusée, Matteo ! Oh non! Qu'est-ce que vous faites? Demandent Mila et Fanny. On veut aller sur la Lune, répond Gaspard. Attention au départ, s'écrie Gaspard. 5, 4, 3, 2, 1, 0, direction la Lune. Ça marche. Les étoiles défilent. La Lune est proche. De retour à la maison, un délicieux goûter attend Matteo et ses amis.